Désormais, il faudra compter sur un Belwando 1 sur le majestueux fleuve Congo. Ce nouveau navire sera très bientôt opérationnel. Plus que quelques réglages pour que ce bateau flotte sur le fleuve Congo et arrive à desservir toutes les provinces du pays. Ce samedi, l'initiateur, le sénateur Guy Luando, s'est rendu au port de Baramoto pour palper du doigt l'avancement des travaux. Très bientôt, ce navire Belwando 1 va flotter sur les majestueux fleuves Congo afin de desservir toutes les provinces du pays. Les travaux avancent à pas des géants pour que ce bateau batte enfin pavillon. Plus que quelques réglages pour que cet édifice fluvial soit opérationnel. Et pour s'imprégner personnellement de l'évolution des travaux, le sénateur Guy Luando Mboyo s'est rendu au port Baramoto, accompagné de quelques gouverneurs et des notables de l'espace Grand Équateur. Question de se faire une idée sur cet engin flottant, très émerveillé par ses bijoux, répondant aux standards requis qui va faciliter la mobilité fluviale de la population congolaise. Le fondateur de Widal tient à contribuer à l'émergence du pays dans plusieurs secteurs. Au lieu que nous puissions aller dans toutes les villes construites, nous pouvons aller à Bumba avec notre bateau, nous arrivons, nous accostons, nous faisons notre activité, nous reprenons les bateaux, on peut aller à Kisangani, on peut aller à Bolobo, on peut aller à Kwamutu, on peut aller à Kula, on peut aller un peu partout. Avec un Belwando 1, un bateau commercial, les passagers pourront voyager avec leurs marchandises à travers le pays dans de bonnes conditions. Initiative vivement saluée par les futurs bénéficiaires. Je crois que ce sont les initiatives à encourager. Nous allons nous serrer les coudes pour pouvoir soutenir par nos propres moyens. Et ce n'est pas que Luando a été dans la gestion de la chose publique au niveau du gouvernement. De même, Élisée Bokoumouana, qui a aussi un B, Bongandanga 1, qui va aussi connaître le même sort par rapport au développement ou à désenclavement de la voie fluviale en ce qui concerne le fleuve Congo. Cette réalisation est inscrite dans les actifs de la Fondation Widal et les gestes posés appellent à un autre. Widal Fondation et son initiateur ne comptent pas s'arrêter là. Ils envisagent mettre encore à la disposition des Congolais un autre Belwando 2 déjà en pleine construction.